Coucou les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog et c'est un vlog déménagement, le tout premier de ce déménagement. Là il est, j'ai pas de montre, j'ai pas d'horloge, il est je crois 8h30, un petit peu plus, 8h40. Là Thomas m'a déposé dans le nouvel appartement, je veux un peu d'isolement, j'en ai un petit peu marre de Paris aussi parce que je veux tenter une nouvelle aventure. On a ramené quelques trucs, hier j'ai acheté tout ça, on a ramené tout ça aujourd'hui et ça pendant la remise des clés. Thomas là va partir travailler et ensuite il reviendra non il reviendra pas ici. Moi cet après-midi je vais même rentrer sur Paris, je vais faire quelques cartons et puis ce soir on va encore faire des allers-retours pour des cartons encore. Du coup ce matin dans l'appartement, dans le nouvel appartement, je vais faire un grand coup de nettoyage, donc aspirateur, serpillière, parce que même si les murs et les meubles, enfin les meubles, si il n'y a pas de meubles mais les placards et tout sont plutôt propres, le sol lui ne l'est pas clairement, donc je vais m'occuper de ça aujourd'hui et ensuite je vais rentrer, donc je pense en début d'après-midi parce que là il est assez tôt et je pense que j'aurai fini assez rapidement pour faire du coup encore des cartons. Ça va être ça pendant 3 jours jusqu'à vendredi soir. Comme je vous ai dit, ce soir on va repasser ici pour déposer des cartons. J'ai pas de chaise donc je vais m'asseoir sur le truc de Toto. En fait j'ai essayé de prendre des trucs qui encombraient pas mal l'appartement et de les ramener ici, comme ça ça nous désencombre aussi au niveau de l'appartement. Je suis désolée, il y a mon gros doigt, surtout parce que déjà là-bas sur Paris l'appartement est assez petit, on commence enfin à faire les cartons et tout et c'est un peu le bordel, donc on ramène les choses petit à petit. Et samedi donc ça sera le grand jour du déménagement avec tous les meubles. On a loué un camion et tout, enfin une camionnette que Thomas va conduire. J'ai demandé à des amis du coup de venir nous aider, Thomas aussi, donc ça va être assez balèze, surtout que après c'est pas fini, on va devoir ranger du coup tous les cartons, même si j'essaye de faire au maximum pour bien répartir les cartons. C'est à voir parce qu'il y a plusieurs pièces maintenant, je passe d'un 2 pièces à plus grand quand même, on double presque la superficie de l'appartement. Du coup il y a d'autres pièces, il y a un bureau, il y a une chambre, il y a la petite pièce beauté avec justement le dressing qu'on n'a pas du tout acheté encore, il faut que je prenne les mesures. Je vais tout foutre sur le balcon parce qu'on a un petit balcon enfin, et je vais commencer à aspirer, ensuite je vais passer la serpillière et ensuite je vais déposer les trucs dans chaque pièce, bien qu'il n'y ait pas grand chose en fait de base là maintenant. Je suis désolée, je suis totalement en mode schlag aujourd'hui parce que de toute façon bah, c'est du ménage, donc j'ai pas du tout de maquillage. Heureusement qu'il y a les fossiles hein, qui servent un petit peu à donner l'impression qu'on est maquillé, même si ça n'est pas le cas. Je vais vous montrer mon nouveau chez moi. Donc là nous avons l'entrée, ici nous avons les toilettes. Ici, nous avons la première chambre qui va servir, je pense, de bureau. Enfin, c'est la seule chambre où il y a du soleil dans la journée parce qu'en fait, cette fois-ci, on est exposé nord. Et du coup, bah, on n'a pas de soleil qui rentre à part là. Là, c'est les seuls placards qu'il y a dans la chambre. Ici, c'est le salon, donc on rentre ici et il y a un petit balcon en L. Donc ça, c'est notre salon. Ici, on va mettre un canapé. Alors, on est en train de voir quel type de canapé d'angle pourrait rentrer parce qu'on rêverait d'un canapé d'angle avec Thomas. Seulement, on a pris des mesures hier et on pense qu'il n'y a pas assez, en fait. Donc, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et ici, c'est la cuisine qui est magnifique. Je crois que c'est la cuisine qui nous a un petit peu décidé. Le salon et la cuisine qui nous a décidé sur l'appartement. Je vous raconterai parce que c'était très compliqué la recherche d'appartement, mais bon, enfin on est posé. Alors c'est quand même un peu loin de la gare malheureusement, mais bon, je vais voir si je peux tenir ce rythme là. Il y a déjà un four, il y a déjà une plaque, il y a déjà une hotte. Par contre la hotte elle est très basse. Moi déjà c'est juste, mais alors je me dis pour Thomas il est obligé de se baisser quoi. Ensuite, ben voilà, ça j'aime trop, c'est la première fois que j'ai ça, c'est un rangement à épices. Alors il n'y a pas non plus 10 milliards de rangements, mais voilà, ça va être surtout des épices. J'ai pas non plus, parce qu'en fait j'ai pas mal de bouteilles, de sauce et tout, donc je sais pas où les mettre, on va voir. Là il y a des placards, des rangements pour ranger les casseroles, donc ça c'est super cool parce que chez nous actuellement en fait on n'a pas autant de rangements je pense, et surtout on a un buffet pour pouvoir incorporer tout ça, donc là c'est pour ranger les couverts chez nous, il est tout pourri, tout moche parce qu'il n'est pas du tout à la taille standard, donc c'est catastrophique. Là il y a des placards, encore des placards, et nous allons aller là-bas.
Et donc ici, il y a encore deux petites pièces. Ici, ça va être, je pense, le coin où on va dormir. Et là, ça va être la pièce beauté. Et ici, c'est la salle de bain qui... Attendez, il est où l'interrupteur? Il est là. La pièce salle de bain qui sent pas bon du tout parce qu'en fait l'appartement vient d'être livré, en fait il est tout neuf et du coup on est les premiers locataires, donc là c'est super cool. Faut que je fasse couler un peu d'eau parce que du coup bah, les canalisations quand on l'utilise pas assez, bah, y a une odeur qui remonte. Faut que je laisse couler l'eau de temps en temps, de toute façon j'ai pas apporté de seau donc je vais devoir truquer la serpillière dedans je pense. Voilà voilà, vous avez fait avec moi le tour de l'appartement et puis ça c'est des rangements. En fait ça va être surtout servir pour ranger, je pense tout ce qui va être valise, couette, hein, que les gens vont voir et tout. Voilà. Il va falloir que je range, enfin que je fasse le ménage de partout, donc dans tous les cas, je vais passer dans toutes les pièces. Là, je vais tout foutre sur le balcon et le ménage va commencer. Ok, j'ai oublié de vous montrer quand j'ai aspiré l'appart. C'est long en fait. Comme je vous ai dit, c'est plus grand quand même que notre ancien appartement. Notre ancien appartement faisait 44 mètres carrés. Bah là, c'est quand même un peu plus grand. Et du coup, là, je vais passer à la serpillière. Alors, j'ai apporté ça. C'est super efficace, seulement j'ai aussi acheté des lingettes style Swiffer. Seulement je n'ai pas de truc Swiffer, donc je vais essayer de le foutre là. On va voir. Je sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai pris ça et ensuite après je vais passer aux vitres et aux murs. Et ensuite aux petits recoins avec les lingettes. Là j'ai plein de trucs, voilà, c'est vraiment plein de trucs. Pour les murs, je vais utiliser l'éponge magique. Enfin voilà, on va voir. Ça fait même pas une pièce et il y a quasiment plus de produits. Donc je suis même pas sûre que j'ai bien lavé tout l'appartement et c'est ça qui me fait chier. Donc je pense que je vais y aller à la main. J'ai 15 lingettes. Si j'en utilise deux par pièce, ça devrait aller. Je pense même qu'en fait je vais partir tout à l'heure au champ et je vais acheter du produit pour le sol parce que là ça va pas du tout. Je pense que je vais dégrossir avec ça et puis ensuite je vais repasser un bon coup tout à l'heure en allant acheter du produit à Auchan quoi. Ok, j'ai plus beaucoup de batterie, il me reste 20% et je dois tenir jusqu'à ce que je rentre chez moi. Là, je vais tout de suite au supermarché d'à côté parce que, en fait, le sol, c'est pas possible. Il y a des traces partout. J'ai dégrossi le truc, mais impossible de rester comme ça. Il faut absolument que j'aille acheter un produit pour le sol. Faut que je fasse attention parce que c'est du parquet, je crois, stratifié. Donc, attention à l'eau et tout. J'ai utilisé ça pour rattraper les petites traces sur le mur. Vu que tout est blanc, en fait j'aime pas du tout la peinture parce que c'est un blanc mais vous savez qui semble poussiéreux. Je trouve ça pas du tout agréable alors que chez nous c'est un blanc satiné, donc c'est lisse. Mais là ça fait blanc mat et j'aime pas du tout le toucher. Thomas il veut pas trop peindre pour l'instant, donc on va attendre, surtout qu'on peut pas mettre toutes sortes de peintures, en fait on peut pas mettre n'importe quoi au niveau des couleurs, donc faut que je vois déjà avec Thomas déjà qu'il est pas chaud. Et ensuite après il faut qu'on fasse valider par l'agence et tout, bref on va voir ça plus tard, mais faut vraiment que je repasse le sol. C'est monstrueux, je viens de repasser, on dirait que c'est encore plus sale qu'avant. Voilà, bah vous savez qu'il faut pas acheter de lingettes pour nettoyer le sol. Je file au champ tout de suite. Alors là les amis, je sais que je fais un peu pitié. En gros, ce que je mange ce midi, ça va être quelques clémentines. Là j'en ai mangé 3 et ça m'a suffi. Ça c'est vraiment une petite gourmandise. J'aime pas ça en plus. Mais je sais pas pourquoi, en ce moment, ça passe. J'ai racheté de l'eau, du cranberry pour Thomas, des pains au lait pour Thomas. J'ai acheté des petites éponges parce que je n'en avais pas. J'ai racheté ça, même si j'en ai plein à la maison, mais c'est pas grave. J'ai acheté ça, c'est ça. J'espère que ça va être efficace. Celui-là, je l'ai pris parce qu'il n'y avait pas non plus 10 milliards de références. C'est parce que c'est sans javel et en fait, c'est surtout pour tout ce qui est salle de bain et cuisine. Parce que là, en fait, c'est une matière, je ne sais même plus, je pourrais pas vous dire le nom. Mais on nous a clairement dit de faire super attention et de pas mettre de javel sur le robinet, donc voilà. Ensuite après je vais commencer à prendre des mesures et dessiner tout ça sur mon cahier pour pouvoir aménager un petit peu les espaces, voir ce qui me manque en meubles et tout, donc voilà voilà.
voilà le résultat. Je viens de faire 3 cartons blancs comme ça que j'ai foutu dans le couloir. Je vais vous montrer, c'est le bordel, vraiment. En fait, on va petit à petit déposer un peu tous les jours des cartons. Gros bordel. Et ça, on va ramener dans la voiture. On va sortir voir des amis, donc en même temps on va descendre les cartons. Moi ce soir en revenant, je vais faire des sacs cabas et comme ça demain matin on a déjà les cartons dans la voiture et on va descendre d'autres sacs cabas. Et je reviendrai demain matin, je pense, ouais, assez tôt, pour refaire des cartons ici. Toto il va s'amuser avec tout le bordel. Moi je vous laisse ici parce qu'il n'y a pas grand chose à filmer tout à l'heure, donc je termine cette première journée déménagement aujourd'hui avec vous à ce moment là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le soutien. Et n'oubliez pas de vous abonner en dessous si ça n'est toujours pas déjà fait. Il y a tous mes réseaux sociaux en dessous, donc Instagram, Twitter et d'autres trucs. Je vous laisse ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!